Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on continue à Black Myth Wukong avec le New Game Plus du coup. On va aller récupérer donc les différents éléments qui sont uniquement récupérables en New Game Plus et puis les deux éléments que j'avais loupés. Donc voilà, je vais pas perdre de temps à fouiller, on va rusher les chapitres et récupérer les éléments comme je disais. Et puis après, de toute façon, par la suite, à la fin du... Avant d'aller affronter le boss final, je pourrais toujours revenir dans les chapitres précédents pour aller récupérer des trucs ou montrer les différentes techniques de boost pour récupérer certains éléments, certains matériaux en fait pour les fabrications. Bref, bah écoutez, donc du coup, faut lancer un nouveau cycle. Vous voulez entamer un nouveau cycle et entreprendre une nouvelle pérégrination vers l'ouest. Succès déverrouillé. Alors ça, du coup, c'est la récupération de toutes les entrées, dans le codex en fait, dans le journal. Voilà, récupérer tous les sorts aussi. Et l'autre, c'était récupérer toutes les reliques en fait. Donc voilà, déjà trois succès supplémentaires. Bon, je vais faire passer les cinématiques, hein, même si elles sont très cool. Oui, c'est vrai que c'est ça du coup. Ah!
带领五剑术回归花果山之日，或是大圣复生之时。Ouais, du coup, je pense que terminer les chapitres, ça va être assez rapide. Hein. Faut juste que je rush les chapitres. Par contre, il va peut-être falloir que je fasse un truc sur les zones secrètes. Mais c'est pareil, ce sera rapide. Alors, attendez. Je voulais regarder du coup les trucs qu'on avait récupérés. Donc le journal, voilà, on en est à 32 sur 32. Du coup, on a rempli l'intégralité du journal. Et les trucs qui nous manquaient, je crois qu'il en restait deux à déverrouiller. Ouais, voilà. La coquille brisée du grand sage. Et Yong. Ah bah voilà, donc c'est le nom de, du maître là qu'on croisait tout le long du jeu. Il aura fallu attendre la fin du jeu pour avoir son nom. Ok. Alors avancement, du coup on a dû déverrouiller un nouveau sort. Ah voilà, mèche salvatrice. Et un sort de protection. Ce sort s'active automatiquement en cas de danger mortel. Il transforme une simple mèche de cheveux de la tête du prédestiné en son double qui se sacrifie à sa place. Simultanément, il crée un nouveau corps pour le prédestiné. Le corps nouvellement acquis est en pleine possession de ses moyens, mais l'ancienne gourde ne peut être remplie. Face à un danger imminent, équipez-vous de ce sort pour vous préparer à toute éventualité. Ah, du coup, c'est cool, ça. Ça permet vraiment de... du coup, c'est un sort passif. Ok. Ouais, donc, du coup, il n'y a même pas besoin de l'activer, en fait. Il suffit juste de l'avoir équipé sur nous. Et du coup... du coup, voilà, c'est un peu comme la... le remède là qui permet de revenir à la vie. Sauf que c'est carrément un sort. Éliminer des ennemis réduit le temps de récupération de la mèche salvatrice. Après avoir utilisé... Attendez, pardon. Ouais. Après avoir utilisé mèche salvatrice, permet de récupérer instantanément deux utilisations de gourde. Après avoir utilisé mèche salvatrice, permet de récupérer instantanément une quantité modérée de mana. Lorsque mèche salvatrice est utilisée, il y a une probabilité modérée que son utilisation ne coûte rien. Très bien, puis après bah, le reste on connaît, et du coup il y a la relique aussi, voilà la sixième, celle du milieu. Ah c'est le fameux espèce de couronne qu'on avait récupéré. Qu'il soit sage Bouddha, l'aube reste à venir, tout comme le mantra. Par la mémoire et l'obsession, une nouvelle pérégrination vers l'ouest pointe à l'horizon. Donc l'élégance de la simplicité augmente modérément les dégâts des attaques légères. Esprit uni, lorsque le prédestiné effectue certains coups puissants, les doubles font de même. Permet d'éviter la mort et d'obtenir une réduction des dégâts significatives pendant une courte durée après l'activation de mèche salvatrice. Ok. Voilà, apparemment ils disent qu'on doit l'activer le sort. Ok, bon bah du coup je sais pas. Ouais. Ouais, et en fait, du coup, si on veut vraiment terminer le jeu à 100%, donc en plus de déverrouiller toutes les compétences, faut aussi faire le jeu 3 fois pour justement pouvoir acheter les autres, comment dire, les autres bonus de chaque relique. Ouais. Bon, du coup, je verrai plus tard, je mettrai ce qui correspondra le mieux. Puis après, le reste, c'est bon. Allez. Bon voilà, peut-être que
c'est du menu fretin, de toute façon. Avec mon niveau 300, je pense que j'ai un peu roulé sur le jeu. Je l'ai one shot. Aïe, fa shama dai. Aïe, bu shan, xiao hou zi, zi qiu duo fu. J'ai activé du coup. Espèce de taureau. Allez, lève ça. C'était pour mourir. Est-ce qu'on a accès au village aussi? Ah non. Village du Zodiac. Bah, du coup, il faudra quand même que je pense à aller voir les PNJ. Tiens, est-ce que les lieux de méditation me refilent un point de compétence ou pas? Ça m'a donné de l'XP par contre. Ouais, donc je pense qu'il faut quand même que je les fasse, ça serait utile. Et puis il y aura toujours un peu d'XP. Ah oui. J'ai vu qu'il y avait des trucs dans la boutique. 我只身前的这么往前硬扛，只怕得……我去把你变为一只金蝉，你可顺着前面的火光探一探这山中的虚实。小庙还有诸多神奇妙用。 Alors du coup... Hey,方山的后山重地藏着不少秘密，想四处探探的话，务必留神金蝉的存续时间。 Je peux pas les embêter. Ah, lui, faut que je l'élimine parce que en fait, il réapparaît pas après moi, il disparaît. Donc, j'ai quand même essayé de l'éliminer au cas où. C'est pas toujours un peu d'XP. Oh. Oh.
m'a repéré du coup. J'avais galéré la première fois que j'avais affronté. Du coup, ça fait apparaître son esprit. Convertit les esprits en volonté. D'accord, ouais, donc du coup il y a un certain intérêt quand même à refaire les ennemis qui refilaient des esprits quoi. Attendez, c'est pas là-bas où il y en avait un autre, là il y avait un mec avec une transformation. Je me rappelle plus trop là, le level design de ce secteur. C'est bien ça. Du coup, je vais juste retourner à l'entrée de la zone. Hein. Parce qu'en fait, j'ai zappé, il y a la grotte à l'entrée, et dans la grotte, il y a un lieu de méditation. C'est pas là. Ah.
c'est à l'entrée de la forêt des loups. Ah oui, non, c'est l'extérieur de la forêt. Là, on peut directement améliorer l'armure ici. J'ai besoin d'aller au village. Dans la boutique, il y a quoi? Chose. Ouais, non, du coup, c'est vrai que c'est la zone d'après. Oui, la grotte. Il faudra que je récupère les verres spiritueux, mais ça, c'est pareil, c'est pas des trucs qu'on peut louper, donc c'est pas très grave. Je perds en temps et en heure. Du coup, je crois que j'ai oublié de faire sonner la cloche qui était à côté de l'ennemi que j'affrontais tout à l'heure. Là, celui qui nous a filé une transformation, je crois qu'il y avait une cloche à côté. Les zones secrètes, apparemment, si on les fait pas avant de terminer le chapitre, on n'y a plus accès à ça. Équipement. Ah oui, c'est parce que j'ai récupéré un bibelot. J'avais déjà d'ailleurs. Ah ouais, donc du coup, en fait, quand on refait un New Game Plus,
On peut re-récupérer les bibelots qu'on avait déjà obtenus dans la première partie, et du coup, ce qui permet d'en équiper plusieurs exemplaires pour augmenter les bonus. Sympa. Inventaire. Voilà, bon, ça n'a pas été trop long. On va laisser faire le vrai premier boss. Si je suis hurlé. Il n'y a pas de cloche ici. Je me rappelle où est la première et la troisième, mais la deuxième, je me rappelle plus. Pardon, c'est là où il y a la grotte. Ah
就在樊笼里，复得返自然。 继承天，你我无非都。 圣，你已在路，只管任性下；圣姐，你已在路，只管任。 Relique là qui fait que quand on effectue certains coups puissants, les doubles font de même. Du coup, il y a moyen de faire énormément de dégâts avec ça. Voilà. C'est ce que je disais. Cette cloche là, ça m'embête. Xiaoseng，法名广谋。 若是今日死在你手，帮我带句话给师父：肉眼凡夫，求而不得神仙苦，半荣半枯，几人之事长生。
Comme il prend trop cher. Alors, toujours pas de cloche par là. C'est pas là-haut. Je crois qu'elle est là-haut. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est là où on va sauver le singe du coup. La bambouserie. Oui, il y a ça qui permet d'améliorer les gourdes. Ouais, mais du coup, on a déjà tout récupéré. Ouais, c'est pas mal du coup le fait qu'on puisse récupérer toujours les trucs qu'on avait déjà récupérés, mais ça les convertit en volontaires. Voilà, sauver le singe. Alors du coup, on doit pouvoir récupérer le dernier additif, je crois. Améliorer les gourdes. Voilà, ils sont déjà améliorés. Améliorer les infusions. Ah, voilà, c'est là du coup on n'a pas assez de verre spiritueux. Infusion, c'est fou. Et du coup boutique. Ouais, du coup c'est ça, c'est la dernière gourde qui vend en fait. Permettre de récupérer graduellement le nombre d'utilisation de la gourde. Hein? Permettre de récupérer graduellement le nombre d'utilisation de la gourde. Ah, ça veut dire que les utilisations, parce que je vois que l'utilisation de la gourde c'est que une fois. Et du coup ça doit se recharger en fait à chaque fois. Il n'y a qu'une recharge, mais elle se recharge au fur et à mesure en fait. Ok. Hop, voilà. Dernière gourde. Et le dernier additif rétablit les utilisations de la gourde après une résurrection en combat. Et ça, on l'a mis déjà. Et du coup, on peut le reprendre. On met plusieurs. Eh bien. Ah oui, Ulysse, c'est vrai qu'il vend aussi des verres spiritueux. Bah voilà, parfait. Petit à petit, on récupère les derniers objets qui nous manquaient. Tiens. La gourde. Elle a quoi? Elle a 3 emplacements aussi. Ouais, je vais la tester pour voir en fait le temps que ça met pour se recharger. Donc là, on va l'affronter un boss. Ah.
spécial gelé du coup. Allez, deuxième forme. Bon, je vais me soigner pour voir le temps qu'elle met à se recharger la gorge. Juste aller activer la troisième cloche là pour aller faire la zone secrète. Et après on attaque la montagne là avec le boss final. Moi ça va au final les chapitres, je pense qu'on va les terminer assez rapidement. Il y en a juste certains qui sont un peu plus longs que d'autres, donc je verrai si j'arrive à les faire en une seule session, ou je ferai peut-être deux sessions. Alors, y a un truc aussi qu'il faut que je pense à faire, c'est fabriquer toutes les armures. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs, ça sera fait. Du coup, pour déverrouiller le succès, d'avoir toutes les armures, faut toutes les créer, je crois. Quoi dans la boutique? Et armure d'or pour les armes, ce sera pareil. Voilà, ça c'est fait. Après, juste l'armure du taureau là que je pourrais pas. Pardon. Désolé, la gorge qui est enrouée de temps en temps. Ouais, la truc du taureau. Ah bah là, on a plus le fil d'orphin. La truc du taureau, je sais plus comment elle s'appelle, l'armure là où il manque des pièces qu'il faudra aller récupérer en allant faire la zone secrète du chapitre 5. Voilà, posséder. Par contre, ouais, le fil d'orphin, j'en trouve. Voilà, c'est ça, là, les cornes de fer du taureau. Okay.
coup je peux pas tout faire parce qu'il manque du fil d'orphelin. Je sais plus d'ailleurs si le fil d'orphée on peut pas en acheter quelque part. Peut-être au tigre qui est au village du Zodiac. Bref, voilà. Bah c'est pareil, il faudrait que je crée toutes les armes. Là-dessus on peut rien faire d'autre. L'arme. Perles de longue. Ouais, il manque des perles de longue pour la faire. Ouais, donc il va quand même falloir faire certains boss pour récupérer les perles de longue. J'en ai 5. Je crois qu'il faut éliminer les. Sinon, je serai obligé de les faire, c'est de rééliminer les frères Long. C'est une quête annexe. Ah, voilà, du coup, ça c'est pareil, c'est un truc qui se déverrouille en mode New Game Plus. Cas d'attaque lourde, réussi, chargée réussie. Chaque point de concentration dépensé permet de légèrement récupérer de la santé. Le bâton projette des épines sur les ennemis à proximité. C'est cool qu'ils aient rajouté encore des nouvelles armes dans le mode New Game Plus. Ah, alors là, je sais pas que c'est celle-là. Et l'autre du coup là, c'était quoi ? Attire le tonnerre en chargeant et infligeant des dégâts de foudre avec chaque attaque du bâton en état de choc. Il me faut des cœurs d'arbres d'or et tout, mais bon, tout ça, je crois qu'on les récupère sur les ennemis de base. Ouais. Les boss qu'on sera obligé d'aller d'éliminer au cours de l'aventure. Bref, allez. Un petit coffre là. Fil qu'il me faut, moi, c'est du fil d'orphelin. Une attaque chargée, ça c'est bon. Hmm.
fait. Bon, c'est là où il va essayer de se soigner avec les autres. Hein. Le truc, c'est qu'il est super mal placé parce qu'il y a des mecs qui vont sûrement apparaître à côté. Hein. Bon bah c'est easy hein, pour l'instant. Hop, 2000 points de volonté. Bon bah voilà, on va aller attaquer la dernière zone. Aller faire les deux combats de boss à la fin du chapitre. Que 3 ici. Ouais. Ah bah oui, forcément l'équipement. Les trucs que j'ai fabriqués. Voilà. Silence. Par contre, je pense que je vais peut-être changer la gourde. Celle-là, je pense pas qu'elle soit très utile.
Télégorde suprême. Ouais, forcément, du coup, elle est vide. Allez, le roi du vent noir. Et ouais, mon gars, j'utilise la même technique que toi. Ah, pire rigoler mon gars, hein, ce... Tu fais pas le poids. Ouais, vas-y, on se retrouve quand tu seras en mode worse là. On va remettre la pâtée. Alors du coup, normalement ici, il y a le premier... vers spirituel. Qui normalement est par ici. Non. Le côté, du coup. C'est là où il y a la lumière. J'ai l'impression que le pot il était pas luisant comme les autres fois. Bref, bon bah voilà, parfait. On va enchaîner avec le. Avec le. La. Comment dire. La montée de la montagne là.
qui me donne pas un truc intéressant. Mais... chapitre, c'est quand même. Moi, je l'ai pas encore tout à fait terminé. C'est le boss final. pour le jeu, Dami. Qian chong shui, wan chong shan, guo le hei feng di yi guan. Ouais. Bon bah tranquille hein. Lie huo xiong xiong, shuang mu mang. En même temps, tant mieux. Le but c'est quand même de juste refaire le jeu rapidement. On récupère quelques trucs à récupérer du Game Plus et puis ceux que j'avais loupés. D'ailleurs là, bah, il me reste plus qu'un truc que j'avais loupé, je crois. Un ou deux. Non, deux trucs. Ouais. Il reste un bibelot et au chapitre 3. Et puis là, au chapitre 2, il reste un esprit aussi. Voilà, vous pouvez à présent éveiller un autre sort, un autre pouvoir de la relique. Donc c'est bien ça. Ouais, puis du coup, on récupère un peu de matos, de ressources. Bon bah voilà, parfait. Une petite session. Ouais, bah écoutez, du coup je vais arrêter là, comme ça, bah tout... Tout sera sur cette session pour le chapitre 1. Et puis bah du coup j'espère que cette session vous a plu, qu'elle vous sera utile, peut-être pour voir justement un peu à quoi ressemble le mode New Game Plus et puis les quelques éléments là que j'ai récupérés qui sont uniquement disponibles en New Game Plus. Et puis voilà, puis bah du coup on se retrouve si tout va bien demain pour la suite du dédié au New Game Plus de Black Myth Wukong.
Allez, bon jeu à vous. Ciao, ciao.